travailler 18 sur 20. Et avant de rentrer chez eux, s'ils ont un petit creux, ils pourront faire un tour dans un endroit très merveilleux. Boulangerie, pâtisserie, des petits... Bonjour, qu'est-ce qu'il faudra le petit monsieur? Bonjour, j'aurai une baguette s'il vous plaît. Il la veut comment, sa baguette bien moulée? Oui, en fait... On achète la baguette, on aime croquer le quignon. On mordille, ça croustille et ça griffe le menton. On recroque, on suffoque, le morceau est un peu gros. On avale, on se régale, on prend un autre morceau. On boulotte, on grignote, la baguette raccourcie. On divise, on égalise, on mastique sans souci. Quelle honte, on se rend compte qu'on a presque tout mangé. On doit même, quel problème, retourner chez le boulanger. On rachète la baguette, on aime croquer le quignon. Ah ben non, pas deux fois tout de même. Recroque, on suffoque, le morceau est un peu gros. On avale, on se régale, on prend un autre morceau. On achète la baguette, on aime croquer le quignon. On mordille, ça croustille et ça griffe le menton. On recroque, on suffoque, le morceau est un peu gros. On avale, on se régale, on prend un autre morceau. On boulotte, on grignote, la baguette raccourcie. On divise, on égalise, on mastique sans souci. Quelle honte, on se rend compte qu'on a presque tout mangé. On doit même, quel problème, retourner chez le boulanger. On rachète la baguette, on aime croquer le quignon. Ah ben non, pas deux fois tout de même. Croque, on suffoque, le morceau est un peu gros. On avale, on se régale, on prend un autre morceau. La cloche de l'école vient de sonner. Les petits enfants ont bien travaillé 18 sur 20. Et avant de rentrer chez eux, s'ils ont un petit creux, ils pourront faire un tour dans un endroit très merveilleux. Boulangerie, pâtisserie, des petits gâteaux à tout moment du temps.